m'interroger devant les miens, parce que j'appartiens à cette famille. Et je leur ai dit de se rassembler autour du projet, comme d'autres l'ont fait, parce qu'il s'agit de faire l'union sacrée, c'est pas une affaire de personne, cette candidature. C'est un projet qui doit rassembler, c'est pas ma personne qui compte, c'est le projet qui compte. Et c'était l'opportunité pour Lucas de se prononcer par rapport à ces deux candidats qui sont de la même famille. Alors, ils ont pris une décision que je respecte et je trouve ça tout à fait correct dans un sens. Et donc je prends acte, c'est tout. Mais nous on continue parce que la campagne continue. C'est une affaire qui dépasse le cadre de l'UCAF. C'est une affaire quand même qui va au-delà de l'UCAF, qui ne concerne pas que les clubs, qui concerne aussi les joueurs, qui concerne les arbitres, les corps de métier. Donc il ne faut pas s'arrêter au club. L'UCAF, c'est ma famille, mais c'est les clubs. C'est un syndicat qui protège les intérêts des clubs. Mais moi, je suis obligé de me mettre au-dessus de tout ça parce que je veux améliorer le football pour tous les acteurs et pour tous les acteurs de quelle que soit leur famille, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut du moins...